Alors, bonjour à tous, voilà, je suis prêt pour le départ de mon petit... Oh, c'était vraiment un petit spot, hein, regardez. Un petit oiseau m'accompagne depuis tout à l'heure, il doit être là quelque part. Et ma reine me demande toujours si ça va. Donc voilà, je suis prêt pour le départ. Donc normalement, je devrais arriver sur le Camino Aragonais. La nuit a été très humide, je ne vous le cache pas, la tente est trempée. Donc dès que je pourrai, parce que le temps a l'air quand même couvert, donc je verrai tout à l'heure si je peux faire sécher la tente. Et je vous souhaite une très belle journée. A tout à l'heure. Ah, au fait, ne vous inquiétez pas, la vidéo d'hier qui doit être magnifique, elle, il n'y a que 1% de partie parce que j'ai pas de réseau, donc ça devrait arriver. Donc voilà, ma tante était là-bas, au fond du pré, derrière les buissons. Donc on pouvait pas me voir. Bon bah alors le Camino me fait passer par là. Bon, pas trop envie d'aller faire de l'escalade. Personne sur la route. Ouais, allez, j'y vais. Je vais prendre la route. Ça sera mieux parce que si jamais je vais tomber là-dedans, on va plus jamais me retrouver. Alors en plus, ce ne sont pas des rochers, hein. C'est comme de la boue. Quand c'est humide, c'est très collant. C'est de la terre, c'est bizarre. Et il est quand même mystérieux ce nouveau monde. Hein. Vous ne trouvez pas? Ouais, le chemin, il doit passer là, dans la vallée, là, mais alors... Ouais. Thank you.
Donc, petit séchage de la tente et en même temps petit déjeuner. Et ça, c'est une prévision pour ça parce que normalement, je devrais arriver à Puente, l'aréna de Jaca. C'est un tout petit village, mais il y a qu'un seul hôtel. Il n'y a pas d'alberg. Et il se trouve que, comme j'ai pas de réseau, j'arrive pas à les joindre. Donc, quand je vais arriver, ce sera complet, à tous les coups. Regardez comme je suis. Donc, je pense que pour ce soir, la tente va encore être de mise. On verra en arrivant tout à l'heure. Il me reste encore une petite dizaine de kilomètres. Donc, d'ici là, je me présenterai à l'hôtel et puis je dirai voilà, j'ai pas réussi à vous joindre. Et puis il va me répondre completo, completo. Donc voilà, me voilà arrivé à Arès. La vue est magnifique. Donc je me trouve juste à l'intersection entre le chemin aragonais et le chemin catalan. Donc maintenant, je reste sur le même chemin que Santiago. Je vais changer à Puente l'Arena, ce sera plus le même nom, mais ce sera toujours le même chemin en fait. Donc voilà, j'arrive à mon alberg. Ça a l'air pas mal. Ah mais non, je me trompe, c'est l'autre maison. Bon, déjà il y a des gens puisqu'il y a des linges qui sèchent. Donc voilà, c'était vraiment des petites chambres, 2, 4, 6, 8 personnes pour une toute petite pièce. Ça va, je suis tout seul parce que il y a deux jeunes à côté, mais trois jeunes. Ils ont pris tous les lits en bas, donc moi je ne vais pas dormir en haut. Du coup, elle a ouvert la deuxième chambre pour moi. Et j'espère que je vais être tout seul, mais je me souviens quand j'étais passé avec Marie et Noël, c'était complet ici. Et on a tous dormi dans la même chambre. Que des bons souvenirs. Donc voici l'alberg. Alors, faut que je vous raconte une histoire fabuleuse.
C'est une anecdote, une très jolie anecdote que j'ai déjà racontée sur le Tour de France, mais celle-là, c'est assez incroyable parce que c'est justement ici, sur ce chemin, dans ce village, où il y a eu les fiançailles les plus rapides du monde. Effectivement, je vous raconte. J'avais fait la connaissance de Marie-Noël. Vous la connaissez, hein, c'est pour ça que je peux largement parler d'elle. Elle a figuré parmi les premiers marcheurs avec moi sur ce Tour d'Espagne. Et il se trouve que nous nous sommes connus la veille, je crois que c'est en 2019. Tu pourrais peut-être me confirmer, Marie-Noël. Et que donc on se connaissait pas beaucoup, c'était juste la veille. Et figurez-vous que le lendemain, nous nous sommes fiancés. Et pour vous dire que c'était assez rapide, hein, le choc a été brutal. Et donc je vais vous mettre juste à la suite le petit film de nos fiançailles. Et voilà, j'en dis pas plus. C'est une très belle histoire. Les prés et les monts enneigés, mais beaucoup plus beaux sont tes yeux étoilés. Voilà, c'est formidable. Donne-moi, madame, tes mains pour qu'on se dise que ceux de ce jour, jamais nous pourrons oublier. Voilà la vue que nous pouvons avoir de ce village. Avec la neige là-bas dans le fond. Voici donc la fameuse tour où nous nous sommes fiancés. Bon, la tour de nos fiançailles est enfermée, je ne pourrai pas vous la montrer. Et donc, je vais terminer ma vidéo, me reposer un petit peu, et je vais vous souhaiter une très belle soirée. Et si, Francis le pèlerin, à vous les studios. Et il est toujours content. Si je suis content, eh ben, elle est contente.